Monseigneur, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous saluer de la part de notre archevêque, Monseigneur Michel Aupetit. Vous tous qui êtes dans cette cathédrale Notre-Dame, vous qui nous suivez par l'intermédiaire de France Culture, Radio Notre-Dame et KTO Télévision pour cette troisième conférence de carême donnée par le chanoine Guillaume de Mantière. Le chemin d'Emmaüs est celui de la foi. La foi n'est pas une évidence immédiate, mais un dévoilement patient, pas à pas, un ajustement des cœurs de la nuit au jour, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Seules les idoles s'imposent. Leur présence massive écrase l'homme dans son intelligence et dans sa liberté. Mais le Christ ne s'impose pas. Il marche pas à pas, à côté. La vérité est un compagnonnage. Emmaüs n'est pas encore le face-à-face. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Il faut le retenir. Reste avec nous, car le soir tombe et la nuit est là. La foi n'ignore pas les ténèbres. Elle assume la tentation du doute et celle du désespoir. Elle traverse tout sans rien nier de la nuit des hommes. La seule vraie lumière est la lumière pascale, celle du ressuscité. Elle est une lumière d'outre-tombe. Elle resplendit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Je remercie donc le chanoine Guillaume de Mantière de nous donner cette troisième conférence et de nous ouvrir ainsi les Écritures en chemin pour qu'elles ne soient pas lettres mortes, mais paroles de vie, pour que nous puissions dire avec le psalmiste « J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. La ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. » Merci, Monseigneur. C'est bien vrai, avant d'apercevoir la lumière, il faut se remettre de ce que nous avons entendu ce matin. Massacre de Pilate, le sang mêlé au sang, 18 personnes écrasées par la tour de Siloé. Telle était la sombre tonalité de l'Évangile en ce troisième dimanche de carême. Tel est le flot sempiternel des calamités de ce monde. Probablement, la Gazette galiléenne de l'époque devait ressembler étrangement aux informations d'aujourd'hui. Meurtre, catastrophe, brutalité, violence. « La terre est bleue comme une orange », disait le poète. « Oh oui, dit l'enfant, elle est bleue, la terre, à cause des coups qu'on lui donne. » Une terre pleine de bleu, de bosses, de meurtrissures. Pauvre planète. Tel est le lot quotidien de l'humanité, la triste litanie des malheurs du monde, toute une géographie sanglante depuis le funeste jour de Caïn et d'Abel. Une fois, j'avais demandé à des jeunes qui vivaient une journée de retraite de préparer des intentions de prière universelle pour la messe. À travers la porte, je les entendais discuter. Ils ne semblaient pas très inspirés lorsque l'un d'entre eux a dit à son compagnon « T'as qu'à mettre les morts et les malades, ça marche toujours !» L'anecdote, hélas, est tristement symptomatique d'un monde dont nous subissons douloureusement la vétusté. Quid novi sub sole ? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ô mon Dieu qui avait promis de régner sur la terre, de combien il s'en faut que votre règne arrive. C'est ainsi que marche l'humanité exsangue sur cette autoroute large et spacieuse qui descend de Jérusalem, qui déchoit de la capitale
et s'engouffre dans l'ombre vespérale. Tels sont bien nos deux disciples d'Emmaüs, naufragés de l'espérance, incapables de reconnaître la lumière qui marche avec eux. Ils allaient, tête basse, sans vœux et sans prière, pèlerins de nulle part, rejoints par le chemin, pèlerins hospitaliers qui hébergent le pain, pèlerins du jour des fêtes que hante la lumière. Ils s'engouffraient dans l'ombre, pèlerins du crépuscule, routiers des Écritures, rejoints par la parole, pauvres cœurs de foi lente et d'espérance molle, ignorant de quel feu ils s'embrasent et ils brûlent. Qu'il est beau le contre-jour si bien rendu dans les tableaux de Rembrandt. À l'extérieur, l'obscurité se fait peu à peu, mais dans l'âme des deux disciples, un feu couve et se réveille, attisé par les dires du Maître, ce pyromane des cœurs. Plus leurs mystérieux compagnons parlent, plus les lueurs se lèvent et les embrasent intérieurement. Ils le reconnaîtront plus tard. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? Heureuse brûlure du cœur qui prépare en chacun l'incendie de la grâce. Oui, sur la route, ils avaient bien eu le pressentiment de quelque chose. Cet homme, versé dans les Écritures, cette pédagogie patiemment déployée, cette douceur si tendrement persuasive, ils reconnaissaient ce ton inimitable. « Mes brebis connaissent ma voix, dit le Seigneur. Oh, elles ne comprennent pas tout. Elles ne sont guère théologiennes. Elles ne savent rien du catéchisme. Mais elles connaissent ma voix. Elles ne s'y trompent pas. Elles ont le charisme de la vérité. Entre mille, elles discernent la voix du bon pasteur. Ce n'est pas la voix de la facilité ni de la démagogie. C'est la grande voix de l'exigence qui aime. » Ah, qu'ils sont heureux, ces premiers témoins du ressuscité, d'avoir pu le voir, l'entendre, le toucher. Ah, si une telle expérience nous était offerte, pensons-nous, qu'il nous serait aisé de croire en la résurrection. En fait, il n'en est rien, car nos cœurs, comme ceux des compagnons d'Emmaüs, sont lents à croire, malgré les Écritures. Dans la parabole du pauvre Lazare, Abraham dit aux riches, « Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Pour croire, il faut écouter les Saintes Écritures. » Et c'est bien l'objet de la catéchèse à laquelle se livre Jésus sur la route d'Emmaüs en faveur de nos deux compagnons. Commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Christ est ce trésor caché dans le champ des Saintes Écritures. On peut mettre sa foi en Jésus, car il n'est pas un nouveau gourou paru inopinément, mais bien celui que Dieu avait annoncé par la voix des prophètes et celui qu'Israël attendait. Jésus n'a pas seulement mis en cohérence sa vie et ses paroles. Il n'a pas seulement fait ce qu'il a dit, on avait dit ce qu'il a fait. C'est bien la promesse de Dieu qui s'accomplit à Pâques. Saint Paul, le rabbin versé dans les saintes lettres, le proclame hautement. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. Que Dieu ait fait sortir son Fils du tombeau, ne l'avait-il pas annoncé en figure lorsqu'il faisait sortir la création du néant
Noé de l'arche, Abraham de l'idolâtrie, Lot de Sodome, son peuple d'Égypte, Jonas de la baleine, Daniel de la fosse aux lions, les trois enfants de la fournaise. Voilà pourquoi, selon la phrase célèbre de saint Jérôme, reprise par le Concile Vatican II, « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Hélas, tant de nos contemporains ressemblent à cet homme venu trouver un rabbin en lui disant « Moi, monsieur le rabbin, je suis athée. » « Ah, dit le rabbin, vous êtes un croyant, mais avez-vous jamais lu le Pentateuque ?»« Le Pentaquoi ? » dit l'homme. « Vous avez vu les prophètes, au moins. Mais non, voyons, puisque je vous dis que je suis athée. Et vous connaissez les psaumes, sans doute. Évidemment non. » « Ah, dit le rabbin avec un soupir de soulagement. Alors, monsieur, vous n'êtes pas incroyant. Vous êtes ignorant. C'est tout autre chose. » Hélas, à ceux à qui pensent avoir perdu la foi ou qui soupirent après leur foi d'antan, il est bon de poser cette simple question. Depuis combien de temps n'avez-vous pas médité, avec l'attention requise, un texte biblique? La réponse est très souvent révélatrice. La Bible, on l'a reçue, oui, à sa première communion. C'était un gros livre écrit petit et sans images, rébarbatif et même un peu effrayant. Le précieux ouvrage a vite sombré dans les rayons poussiéreux d'une bibliothèque, coincé entre un roman de plage et une bande dessinée. Il y a beau temps que l'on n'en a plus parcouru les pages jaunies. D'ailleurs, c'est si difficile. On n'y comprend rien à ce vieux livre de sagesse orientale. Cela me rappelle cette paroissienne venant trouver son curé. « Quand je lis la Bible, mon père, comment savoir si j'ai bien compris ?»« C'est très simple, madame. Quand vous refermez le livre, si vous n'êtes pas complètement bouleversée, c'est que vous n'avez rien compris. » La réponse est excessive, sans doute, mais percutante. Elle voulait provoquer un choc salutaire. Il y a plus dans la Bible que ce que peut en percevoir l'intelligence. Il y a quelque chose qui fait brûler le cœur quand Jésus nous l'explique. Certes, il faut, selon l'image d'Origène, se casser les dents sur l'écorce du texte biblique. Mais quelle saveur dans la pulpe et dans l'amande! Doit-on s'étonner que la parole de Dieu ne soit pas aisément intelligible à notre pauvre intelligence finie? Ne doit-on pas plutôt se réjouir qu'elle offre à notre sagacité un terrain de découverte infini? Il en va, dit saint Éphrem, comme d'un homme assoiffé qui va boire à la source. Il serait bien fou de se désoler de ne pouvoir en une lampée épuiser les eaux jaillissantes. Après tout, qui a fini de déchiffrer l'immensité du ciel et des galaxies? Dans une même quête, les rois mages scrutèrent les étoiles et lurent les prophètes pour parvenir à la crèche du Sauveur. Dieu nous a donné deux livres inépuisables pour parvenir à le connaître, la création et les Saintes Écritures. Je me souviens d'une Bible en vitrine d'une librairie. Elle portait un bandeau rouge publicitaire, comme en portent les prix Goncourt ou les best-sellers de quelque auteur à succès. Sur le bandeau était écrit en lettres blanches « Par le célèbre auteur de l'univers ». Cette trouvaille commerciale était aussi, chose assez rare pour être soulignée, une admirable profession de foi. Oui, la Sainte Écriture et le cosmos
ont le même auteur divin et offrent tous deux aux humains des champs infinis d'investigation. À peine l'enfant est-il né que ses parents l'abreuvent de paroles. Le petit bout de chou ne comprend pas un traître mot de ce qu'on lui dit, mais il est déjà immergé dans un univers de tendre langage. Et c'est comme cela qu'il épanouit son humanité. De même, nous sommes quasimodo geniti infantes, comme des enfants nouveau-nés, désirant le lait pur de la parole. La parole de Dieu n'est pas d'abord pour nous une source de renseignements ou d'informations utiles. Elle est l'assurance que Dieu se penche avec amour sur notre berceau pour nous faire grandir en nous nourrissant de son Verbe. L'Écriture peut être comparée à un message que notre Père du Ciel nous adresse. Je me souviens de cet enfant en colonie de vacances. Il attendait une lettre de sa maman. Quelle joie quand le facteur apportait la précieuse missive! Quelle hâte pour décacheter l'enveloppe! Quel empressement à lire et à relire mille fois les mots de cette lettre tant désirée! Bien sûr, l'enfant ne savait pas encore bien lire et l'écriture des adultes est difficile à déchiffrer. Mais c'est quand même mieux, n'est-ce pas, que maman ait écrit la lettre de sa propre main plutôt que d'utiliser un modèle informatique tout fait sur Word ou Publisher. Les difficultés même de la lecture sont bénédiction pour l'enfant, car il y sent la main tendrement aimante. De même pour nous, lorsque nous lisons la Bible, certes, c'est difficile, on n'y comprend goutte, mais on sait que c'est Dieu qui nous écrit. Et dès lors, les aspérités même de compréhension et de déchiffrage du texte sacré deviennent un doux témoignage de l'amour du Seigneur pour nous. On lit le texte, on le relit, on y revient sans cesse, sans en épuiser jamais la signification, mais tout joyeux de cette lecture, car c'est notre Père qui nous a parlé. On garde la Bible sur sa table de chevet, comme peut-être l'enfant a mis la lettre maternelle sous son oreiller pour en faire son tendre confident nocturne. On accomplit ce conseil que saint Jérôme donnait à Eustochium: attendez le sommeil, la Bible à la main, et que la page sainte reçoive votre tête qui tombe. La foi catholique reconnaît en Jésus la parole unique des deux testaments. Comme le dit Pascal, c'est Jésus-Christ que les deux testaments regardent. L'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle, tous les deux comme leur centre. Seul l'agneau immolé est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Seul le Christ victorieux de la mort peut ouvrir la Bible, nous en donner l'intelligence et faire brûler nos cœurs. Tout cela, les disciples d'Emmaüs l'ignorent encore. Ils ont le cœur lent à croire ce qu'ont annoncé les prophètes. Ils fuient Jérusalem, comme tant de nos contemporains fuient l'Église, déçus, gardant au cœur quelques réminiscences et peut-être même une mystérieuse nostalgie de ces choses auxquelles ils n'adhèrent plus. Or, curieusement, à tous ces déserteurs, le Christ ne barre pas la route. Il ne se met pas les bras en croix sur le chemin pour arrêter leur escapade vers les ténèbres. Non, tout au contraire, le Christ marche avec eux. Il les rejoint où ils en sont. Comme ces aimables GPS qui, ne prenant pas ombrage de nos fourvoiements répétés, nous suggèrent « Faites demi-tour dès que possible !» Le Christ retrace pour les égarés l'itinéraire, inlassablement. Il n'attend pas qu'ils pensent bien,
qu'ils croient juste, qu'ils soient bien disposés pour les instruire. Jusque sur le chemin de leur perdition, il les enseigne, sans impatience, mais sans ménagement. « Ô cœur dépourvu d'intelligence, dit en effet le mystérieux compagnon aux pèlerins d'Emmaüs. Il faut vraiment que l'étranger qui les tense ainsi ait exercé sur eux une incroyable force de séduction pour qu'ils ne se séparent pas de lui, offusqués par tant de mépris, mais le retiennent au contraire à l'auberge. Car enfin c'est un peu fort, cet homme qui leur fait la leçon et qui les traite de débiles, sans intelligence, anoétiques. » Durant tout le trajet vers Emmaüs, 12 kilomètres, 30 kilomètres peut-être, plusieurs heures de marche en tout cas, les disciples ont été catéchisés par le ressuscité en personne. Pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont bien deviné que cet intrus s'immisçant dans leur conversation n'était pas un gêneur anodin, qu'il avait une parole de feu comme celle du maître autrefois. Ils ont eu peut-être même jusqu'à l'intuition de l'improbable. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, dit sobrement saint Luc. Pas simplement parce que la nuit venant, ils n'apercevaient plus guère que la silhouette de ce compagnon, mais parce que c'était bien Jésus, le même, et pourtant, ce n'était plus lui comme avant. Voilà un trait que l'on retrouve dans tous les récits d'apparition pascale. Après la résurrection, Jésus se donne à connaître comme le même et pourtant autre. C'est bien lui, mais ce n'est plus lui comme avant Pâques. Par sa résurrection, Jésus est entré dans une autre dimension que la chair seule ne peut appréhender. Aux yeux du corps doivent se joindre les yeux de la foi. Les évangélistes ne gomment pas les aspects contradictoires de ce qui a été expérimenté. C'est lui et ce n'est pas lui. Ils décrivent simplement ce qui a été perçu. Ils respectent les faits. Manifestement, le Christ ressuscité échappe aux conditions naturelles de la corporéité. Le jour de Pâques, il fait intrusion au Cénacle, dont toutes les portes pourtant étaient closes. À ses disciples ébahis, il dit cette parole d'outre-tombe : « Shalom, la paix soit avec vous. » Ernest Renan prétend pouvoir expliquer très bien cette scène qui n'est, selon lui, qu'une hallucination collective. L'attente, dit-il, crée d'ordinaire son objet. À ces heures décisives, un courant d'air, une fenêtre qui crie, un murmure fortuit, arrête la croyance des peuples pour des siècles. En même temps que le souffle se fit sentir, on crut entendre des sons. Quelques-uns dirent qu'ils avaient discerné le mot « shalom », « bonheur » ou « paix ». On reste consterné par ces niaiseries. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ait jamais entendu une fenêtre grincer pour dire « shalom, la paix soit avec vous » ? Connaissez-vous des courants d'air qui détermine des siècles de foi? N'allez pas rire, mes frères. C'est Renan, le grand oracle, qui parle. Je vous passe l'insolation de Saul de Tarse, ce petit corps malade sur le chemin de Damas, et toutes ces invraisemblables billevesées que les rationalistes dépourvus de toute raison ont inventées pour ne pas donner foi aux saintes Écritures. Le bêtisier des mécréants laisse pantois. Quel contraste entre ces fariboles rocambolesques faites de laitue, de courants d'air, de fenêtres chuintantes, d'insolation et j'en passe, et l'admirable sobriété du récit évangélique. Saint Jean ne nous dit pas que Jésus franchit les portes comme un passe-muraille,
ou qu'il pénètre miraculeusement dans le huis clos apostolique. Il dit laconiquement « Jésus vient et se tient au milieu d'eux ». Pourquoi s'étonner de ce qu'il entre les portes étant closes ? Même avant sa résurrection, n'avait-il pas marché sur la mer ? Où était alors la pesanteur de son corps, s'il pouvait fouler les flots ? N'était-il pas venu au monde en sortant du sein clos de la Vierge Marie ? Ce corps du Seigneur, sorti du tombeau comme du sein de la Mère de Dieu, se joue des portes verrouillées, de toute cloison, de tout blindage. Je crois même qu'aujourd'hui encore, il viendrait aisément à bout de tous nos digicodes, de nos cadenas, de toutes les carapaces d'un monde transi de peur. Rien ne résiste à sa puissance, sinon cette liberté humaine qu'il se refuse à violer. Voilà bien l'extraordinaire. Ce Jésus souverain qui commande aux flots et aux vents, le voici désarmé tout à coup contre un cœur qui se ferme et dit non. Le Christ, en effet, a posé par amour cette limitation à sa puissance. Il ne peut pas entrer par effraction dans un cœur. La foi seule lui en ouvre l'accès. « Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur, si tu m'ouvres ton cœur. » L'épisode pascal de saint Thomas est bien révélateur. Jésus ne fait pas preuve de violence ou de coercition pour extorquer à Thomas un acte de foi. Et pourtant, quel affront pour le Sauveur que ce doute persistant de son apôtre. Voyez plutôt la triste litanie des humiliations de notre Seigneur. Le Christ mis en chair, le Christ mis au monde, le Christ mis en question, le Christ mis en accusation, le Christ mis en croix, le Christ mis au tombeau, mais par-dessus tout, mais ultimement, mais abominablement, mais pis que tout, le Christ mis en doute, et par qui ? Hélas, 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 aurait dit le général, par ceux-là même dont c'était l'honneur et le devoir de le servir, ceux qu'il avait choisis et environnés de sa tendresse, ceux qu'il avait élus et chargés d'être ses témoins, le Christ mis en doute par ses propres disciples. Thomas n'était pas là le soir de Pâques. Où étais-tu, Thomas, quand l'Église unanime et solidaire bénéficiait au Cénacle de la visitation du ressuscité? Tu n'étais pas là. Oh, tu n'étais pas seulement absent localement ou géographiquement, tu n'étais pas avec eux, dit l'Évangile. Tu t'étais coupé de l'Église. Et s'il y a un reproche à te faire, c'est de n'avoir pas cru tes frères qui t'annonçaient la résurrection du Seigneur. Tu mettais plus de crédit dans tes 5 sens que dans tes 10 frères. Tu acceptais de croire ta vue et ton toucher, mais tu refaisais de croire le témoignage de toute l'Église. Oh, comme j'en connais encore aujourd'hui qui prétendent juger de tout par eux-mêmes, qu'il y a de chrétiens de nos jours qui s'estiment plus infaillibles que le pape, l'Église, les conciles et la tradition des pères. Bien sûr, nous croyons sur les témoignages de l'Église, de nos aïeux, de nos parents. Je suis plus disposé à croire des témoins qui se sont fait égorger, pour parler comme Pascal, que mon pauvre jugement, si déficient et versatile, ou mes sens trompeurs. Mais voilà. Thomas ne voulait pas croire. Non, il ne croirait pas, ses 10 frères en apostolat. Pourquoi voudriez-vous qu'il l'ait cru? Ses 10 condisciples pouvaient bien être unanimes à prétendre qu'ils avaient vu vivant le Seigneur. Pourquoi Thomas accorderait-il quelque crédit à leurs allégations? N'étaient-ce pas les mêmes qui, il y a quelques semaines encore, juraient leur grand Dieu que jamais
il n'abandonnerait le maître. On avait bien vu la suite, la trahison, le reniement, la débandade. Alors, pourquoi serait-il plus fiable désormais ? Vous imaginez la scène ? Pendant 8 jours, les 10 apôtres disent aux récalcitrants « Mais tête de mule, puisqu'on te dit qu'on a vu le Seigneur !» Imperturbable, Thomas rétorque « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Combien de nos contemporains ne se rangent-ils pas frileusement sous le patronage de saint Thomas ? Je croirai quand je verrai. Il est de bon ton aujourd'hui de se réfugier dans un attentisme couard qui se présente sous les dehors de la sagesse et de l'humilité. Oh, moi, je suis agnostique. Je ne tranche pas avant d'être assuré. Le Don Juan de Molière déclarait fièrement « Moi, je crois que 2 et 2 sont 4 et que 4 et 4 sont 8. Voilà tout. » Oh, la belle croyance et les beaux articles que voilà, répondait finement Sganarelle à son maître. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il a raison, ce bougre de Sganarelle, de railler Don Juan, qui ne voit en effet que l'essentiel des relations humaines est régi par cette sorte de confiance qu'on appelle la foi. Credere, disaient les anciens, c'est cor dare, donner son cœur, ce que Don Juan précisément est incapable de faire, donner son cœur, l'ouvrir par-delà sa petite jugeote close et ses sens incertains à l'appel du réel et au témoignage d'autrui, sortir du huis clos de son moi péremptoire, se risquer en dehors du cénacle de son quant à soi agnostique. Quand j'étais aumônier, dans le quartier latin, je me souviens que 2 jeunes, nuitamment, vinrent frapper à mon nuit. Ils se posaient des questions existentielles, et la bière n'ayant pas suffi ce soir-là à les résoudre, ils s'étaient avisés de consulter un prêtre. Je fus ce prêtre. L'un se déclarait athée et l'autre agnostique. J'ai aussitôt congratulé chaleureusement l'étudiant athée et lui ai vigoureusement serré la main en lui disant que lui et moi, nous étions en quelque sorte du même bord, car nous avions le courage d'une affirmation et que nous étions aussi éloignés l'un que l'autre d'un scepticisme poltron ou d'un agnosticisme pleutre. L'agnostique, qui avait cru d'abord pouvoir jouer les arbitres, fut bien désarçonné par cette surprenante entrée en matière. Mais que voulez-vous ? Il m'a toujours semblé que ceux qui avaient le courage d'une conviction, les hommes de plein vent, étaient plus dignes d'éloges que les indécis, les frileux, et les aboliques. Je repense à ce personnage d'une pièce de théâtre, grand professeur d'athéisme et pourfendeur de cato, à qui Dieu s'adressait en disant « Tu blasphèmes, tu blasphèmes, tu blasphèmes, mon enfant, mais toi au moins, tu es debout. » Oui, c'est grand, c'est beau, c'est généreux, un homme qui en conscience et en liberté tranche et se détermine, qui choisit de faire confiance et qui s'engage. Pauvre Thomas, il n'en était pas encore là 8 jours après Pâques. Aussi le Seigneur lui dit « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance tes mains, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas en appelait au témoignage des 5 sens. Le Seigneur lui donne le témoignage des 5 plaies. 2 trous aux pieds, 2 trous aux mains
et le côté transpercé. Chacun des stigmates guérira un des sens incrédules. Mon Seigneur est mon Dieu. Thomas ne vit que l'homme et il confessa le Dieu. C'est un cœur transpercé qui le convainc mieux qu'une démonstration de force et de puissance. Ce qui le touche et le persuade, ce n'est point tant cette expérience de la vue et du toucher qu'il appelait de ses vœux. Ce qui achève de le convertir, ce n'est pas le regard qu'il porte sur le Christ, c'est plutôt le regard que le Christ porte sur lui. Oh, ce regard! Regardez-le qui vous regarde. Ce creux visage sur lequel s'est déchaîné tout l'appareil violent de la férocité humaine, le voici suppliant pour quémander un peu de foi. Mon Seigneur et mon Dieu, comment ai-je pu douter de vous? Mon Seigneur et mon Dieu, vous m'avez donc aimé à ce point. Que Jésus montre-t-il aujourd'hui comme hier pour convaincre, sinon son corps ressuscité, couvert de plaies? Le corps du Christ, c'est l'Église, toute sainte, et néanmoins blessée par le péché de ses membres. Ce trou au flanc du Seigneur, n'est-ce pas la trace de la défection des siens? Jésus semble dire à Thomas, « Cette plaie où tu avances ta main, c'est la place où tu manques, toi, membre de mon corps. Viens, ferme à jamais cette cicatrice, guéris-moi. » Thomas a vu et il a cru. Il a reconnu son Dieu. Les disciples d'Emmaüs, quant à eux, voient et écoutent le Seigneur sur la route. Leur cœur se met à brûler, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le cœur plus prompt, pressant ce à quoi les yeux et la raison tardent à adhérer. Ils sentent bien la chaleur monter de leur cœur qui brûle, et pourtant, ils ne s'embrassent pas encore. Comme les footballeurs, après une victoire, ils disent « Faut pas s'enflammer ». Comme si la vive présence du Seigneur à leur côté dépassait toute leur capacité d'espérance. Comme si l'annonce de sa résurrection était inenvisageable pour leur cœur lent à croire. Comme s'ils n'osaient empoigner une vérité incandescente, de peur de brûler, de s'embraser, de se consumer tout entier. Ah, que celui qui ne veut pas brûler, il ne faut point qu'il étreigne le feu, s'écrie Paul Claudel. N'est-ce pas pourtant le feu de leur cœur qui viendra à bout de la cécité de leurs yeux? Bienheureux feu qui purifie et qui fait voir. Bienheureuse miséricorde qui ménage ce purgatoire pour que nos yeux ne soient point anéantis par la grande clarté divine. Celui qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière prend soin de ne pas brusquer notre nature chétive. Il nous prépare et nous proportionne peu à peu au bonheur qu'il nous réserve. Cette école du bonheur porte un nom dans le dogme catholique, le purgatoire. Je sais, le purgatoire n'est plus guère à la mode. Il connaît en quelque sorte, depuis le milieu du XXe siècle, un étrange purgatoire culturel et religieux. Pourtant, comment peut-on se passer de ce dogme du bon sens? Son oubli a pour fâcheuse conséquence de susciter, même parmi les chrétiens, des croyances hétérodoxes à la réincarnation. Or, l'Église ne croit pas à la réincarnation, car elle croit au purgatoire. Elle professe que nous n'avons qu'une seule vie sur la terre. Les hommes ne meurent qu'une fois. Mais alors, comment faire pour parvenir au paradis si par malheur notre purification n'est pas achevée au moment où nous mourons? La Bible nous révèle
qu'une purification existe par-delà la mort. Or, cette purification, c'est Dieu lui-même qui l'opérera sur les âmes défuntes. Et c'est cela qu'on appelle le purgatoire. Inutile de nous réincarner pour poursuivre notre progrès spirituel. La miséricorde divine a prévu ce stratagème, le purgatoire, pour que les êtres indignes que nous sommes deviennent capables de jouir de sa présence. Ainsi, nous attribuons à la grâce de Dieu et au terme d'une seule vie ce que les religions orientales rapportent aux seules forces humaines au long d'un nombre indéfini de vies. Le purgatoire nous délivre d'un coup de l'enfer des réincarnations incessantes. Seule la doctrine du purgatoire permet de comprendre la cohérence de l'aventure humaine depuis la conception jusqu'à la vision béatifique. On ne conçoit plus une vie humaine sur terre que viendrait sanctionner l'intervention abrupte du pardon de Dieu et à laquelle succéderait une félicité sans rapport avec elle. Non. Ce qui se découvre, c'est un long cheminement progressif et continu vers le bonheur. Une propédeutique de la joie, un développement harmonieux de toutes les vertus. Commencé dès ici-bas, notre ouverture au bonheur se prolongera si nécessaire dans le purgatoire avant de s'accomplir dans le paradis. La vie éternelle n'est pas la cerise sur le gâteau de la vie humaine. Elle est cette vie même vécue à plein poumon, dans le plein déploiement de nos facultés de vivre. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, dit le Seigneur, et qu'il l'ait en abondance. » Après le feu purgatoire, viendra le face-à-face que nous vivrons dimanche prochain à la clarté du pain. Thank you.
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dans les bruits de ce monde, dans les slogans et les paroles vaines, Jésus, tu veux être pour chacun de nous celui qui ouvre le livre et qui nous éclaire, qui interprète pour nous les paroles de vie. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Jésus, Christ, toi qui es présent sur cet autel, dans cette hostie consacrée, d'une manière qui dépasse tout entendement et toute définition, soit pour chacun de nous ce pain de vie, cette parole de vie qui vient illuminer nos intelligences et nos cœurs, qui guérit nos sourdités et qui nous ouvre à la vie. Dieu qui prend chair en notre chair, tu nourris tes apôtres du pain de vie et purifies leur sens. Marche à nos côtés, Seigneur, ou plutôt aide-nous aussi à marcher à côté de toi, sur ce chemin qui nous mène non pas vers les ténèbres, mais vers la Jérusalem céleste, le royaume où chacun de nous, nous sommes appelés à contempler face à face la gloire de notre Créateur. Dieu qui prend chair en notre chair,
Viens illuminer nos corps et nos intelligences en les nourrissant de ton amour, afin que nous puissions, sur ce chemin intérieur de nos existences, être pour nos prochains porteurs de ta présence et témoins de ton amour. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, que nous puissions ouvrir nos vies au Dieu vivant pour être dans ce monde ses disciples. Tantum ergo sacramentum. Venerimur celuin et anticum documentum novo cedatri tui prest et fides supplementum sensum defectum. Genitori, genitorque,
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.